Monsieur! Monsieur, je vous vois! Monsieur! Vous allez arrêter de me suivre maintenant! Pardon, pardon, je suis désolé, je voulais. Arrêtez de me suivre maintenant! Je voulais pas ça vous faire peur! Que je vous vois en train de me suivre tout le temps, j'appelle la police là-bas! Non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, je vais tout vous expliquer! Non, je vais tout vous expliquer, c'est juste que j'avais besoin de trouver le bon moment pour vous parler, voilà! Mais vas-y, explique! Vous voulez bien monter, s'il vous plaît? Non, vraiment, là, la fenêtre ouverte, ça m'angoisse et puis l'air est tellement pollué! T'es chelou toi en fait, tu m'expliques maintenant, je te défonce. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de taper. S'il vous plaît, juste, c'est très important et ça vous concerne, ça vous concerne. Mais c'est pas le genre de truc qu'on peut annoncer de part et d'autre d'une vitre. Je monte deux secondes et après tu te casses, c'est clair? Ouais, vous avez soif? Non, j'ai pas soif. Moi, je vais boire un coup, si ça vous dérange pas, j'ai la gorge un peu sèche, là. Mais là? C'est quoi, ça? Mais c'est moi, mais tu prends des photos de moi, t'es un grand malade. Non, c'est... Tu fais quoi, là? Non. Non, c'est... Ouvre la porte. Ça se bloque tout seul. Ouvre cette putain de porte. J'ai juste besoin de vous parler deux secondes. Arrêtez de taper, c'est hyper stressant. Arrêtez, juste écoutez-moi deux secondes, c'est trop demandé. Juste deux secondes. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, putain, vous êtes ma mère. Vous êtes ma mère, putain, voilà, c'est dit. Ah, putain, ça pique ce truc. Ok. Alors, en tant que maman... Je te demande de me laisser sortir de la voiture, d'accord? Je suis pas en train de délirer, là. Je te demande de me laisser sortir de la voiture ou je vais devoir te remettre un gros coup de vilaine bombe à poivre dans la tête. Tu fais quoi, là? Je vous ai ramené un truc. Tu cherches quoi? Attendez, bon, je vois rien chercher là-dedans. C'est mon toutou? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais t'es rentré chez moi, enfoiré! Mais non, mais putain, mais arrêtez avec ce truc, hein! C'est Ernest! Ernest, c'est vous qui lui avez donné ce nom. Bah voilà, j'ai gardé le même, vous me croyez maintenant? Alors pour vous la faire courte, moi ça va vraiment pas fort et la bombe au poivre ça aide pas à rendre ce moment moins dramatique. Je suis né en 2041, je vous l'ai dit. Et c'est la merde. On pouvait s'y attendre, mais voilà, c'est vraiment la merde et on peut rien y faire. Ça a toujours été trop tard, y a pas d'alternative donc. Bon, très bien, on fait avec. Mais moi, je me sens vraiment pas nécessaire. Je vous en veux pas, vous pouviez pas savoir, mais je me sens comme étranger dans ce monde, d'accord? Je voudrais vraiment ne pas avoir existé. J'ai pas demandé à naître. Alors... Non, je vous vois venir, ça va, le suicide, j'ai essayé, ça m'a pas plu. Je veux pas mourir, en fait, Je veux ne pas être né, voilà, c'est pour ça que je viens vous voir. Je vous demande de pas me concevoir. Vraiment, ça en vaut pas la peine, vous serez une mauvaise mère, je serai un mauvais fils, on est trop nombreux sur Terre, donc ne me concevez pas, soyez abstinente, pour pas prendre de risques, ou protégez-vous, mais au max, quoi. Quoi, je dois dire quelque chose, là? Ben non, je sais pas. Bon, je peux y aller, maintenant? Oui. Oui. Et attendez, juste une seconde, prenez ça, quand même, au cas où. C'est quoi? C'est des préservatifs féminins. Ultra performants. J'en veux pas. Je vais pas les prendre, d'accord? Je vais sortir de la voiture et ce sera comme si on s'était jamais rencontrés. Vous disparaissez de ma vie. Exactement. Et normalement, quand vous serez sorti, j'existerai plus. Et la voiture aura disparu avec. Voilà. Super. Ça fait comme ça. Merci. Au revoir, maman. Non, mais putain, mais qu'est-ce que je fous encore là? Mais putain de... Salope!